surtout la déception pour les joueurs parce qu'ils se sont investis. Sans revenir sur la victoire méritée des Anglais qui je l'avais annoncé avant le match. Et on a bien rivalisé, on était vraiment, vraiment cohérents, vraiment agressifs, vraiment en place en première mi-temps. De là, vraiment les faire douter à tous les niveaux. C'est un petit moment que je dis, je suis peut-être le seul à le dire et à le penser que l'état d'esprit est bon et qu'il y a de la qualité, même si encore, voilà, il y a encore beaucoup trop d'approximations pour espérer rivaliser pendant 80 minutes. Mais j'avais dit aux gars que gagner aujourd'hui, ce serait un formidable en avant. Perdre avec les honneurs, on s'attacherait encore une fois à travailler sur ce qui a été le positif, sur les choses sur lesquelles on doit encore progresser. Donc c'est ce deuxième constat qui s'impose malheureusement.